Bonjour. Chaque année, plus de 400 000 personnes circulent dans l'aéroport de Tontouta. Parmi eux, il y a bien sûr les voyageurs comme vous et moi, mais il y a aussi des centaines de professionnels dans cette zone aéroportuaire qui s'activent de jour comme de nuit pour que vous voyagez dans les meilleures conditions possibles et en toute sécurité. Tontouta, comme n'importe quel aéroport, est une ruche où s'activent 150 personnes. Techniciens, mécaniciens, aiguilleurs du ciel, personnel de bord ou encore bagagistes. Qui sont ces femmes et ces hommes qui y travaillent? Comment s'organisent les différents services au sol et dans les airs? Tontouta, côté coulisses, c'est tout de suite. Nous nous sommes rendus au service hôtellerie-restauration de Tontouta. Certains d'entre vous se sont posés naturellement la question. Mais d'où viennent les plateaux servis à bord d'un avion? Sont-ils préparés en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs? Quand et comment sont-ils livrés? Je vous laisse découvrir ça en images. Donc là, vous vous trouvez dans le commissariat hôtelier de la Conflit Airport Pacifique. Donc dans ce service-là est regroupé le service de la planche, le service de montage plateau, le service de piste qui charge les prestations à bord, qui décharge les prestations. Donc vous avez plusieurs services dans ce bâtiment-là. Donc là, nous arrivons dans la zone de planche, de démontage des plateaux. Donc toutes les prestations arrivent de l'avion sale et ensuite sont déchargées ici, dans ce lieu. Et chaque plateau est démonté pour être ensuite lavé. Donc ici, nous arrivons dans la zone propre de la planche. Donc c'est ici que les montages des plateaux sont effectués. Donc nous avons à peu près par jour, en moyenne, 800 plateaux par jour et entre 5000 et 6000 par semaine. Donc là, nous arrivons dans la zone de préparation des plateaux repas. Donc là, c'est le tableau où sont affichées toutes les photos des prestations. Il y a à fournir, comme il y a différents types de prestations, entre le petit déjeuner, le brunch, la collation, donc afin que le personnel ne s'y perde pas. Donc on a fait faire des photos. Alors on commence à préparer les repas le matin dès l'ouverture à 5 h. On commence à 5 h et là on va préparer les repas, les entrées pour les vols de la journée. Donc nous avons un sous-traitant à Nouméa qui nous fournit tous les plats chauds, tous les ingrédients, tous les salades. Donc nous sommes qu'une zone d'assemblage de plateaux repas. Tout ce qui est fruits et légumes, nous recevons de Nouméa aussi, un autre fournisseur. C'est la compagnie qui choisit leur menu. Nous ne faisons que leur soumettre les produits que nous pourrons leur proposer. Et la compagnie effectue une dégustation, des tests, et en fonction de leur goût, donc ils choisissent leur menu eux-mêmes. Donc par exemple en entrée, en classe affaires, vous avez du saumon fumé, la marinade de thon. La classe business, bon, vous avez des produits plus nobles. Donc, et au niveau de l'élaboration des assiettes, bon, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a beaucoup de manipulations au niveau de la présentation. Tandis que la classe éco, c'est plus de la salade composée. Bon, la présentation est assez simple. Comme il y a, au niveau du volume aussi, ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de volume par rapport à la classe à faire. Donc au niveau de la classe à faire, donc on prend plus d'attention. Là, les prestations qui sont prises vont être chargées à bord. Ils vont les charger dans les camions. Et les camions vont aller à bord de l'avion pour être chargés. Vous êtes dans un aéroport, vous voyagez et vous ne pensez qu'à vous envoler. Et à l'heure, bien sûr. Pour que votre vol se déroule dans les meilleures conditions, des dizaines de professionnels s'activent au sol. Nous avons rencontré l'un d'eux, il se prénomme Joseph, vous allez le découvrir. Il relève chaque jour un défi. Joseph, l'agent de trafic, c'est tout de suite. Notre travail agent de trafic est d'établir un plan de chargement, c'est-à-dire on établit un plan de chargement par rapport à ce qui est prévu au niveau passager, nombre de passagers, poids prévu de bagages, fret ou courrier, enfin mail sont prévus aussi au départ. Donc avec ça, nous on prévoit un plan de chargement, c'est-à-dire qui va rentrer dans les soutes d'un avion. Il y a des règles qui régissent le transport aérien et des règles internationales et, qui régissent le transport aérien et nous, on applique ces règles. Lors d'un traitement, lors d'une touchée avion, ce qu'on appelle une arrivée et départ d'un avion, on a plusieurs services qui s'approchent de l'avion et pour le traiter. On est plusieurs équipes à s'en charger. Nous, l'assistant aéroportuaire Cofeli, on a plusieurs services. On a le service hôtelier pour Cofeli qui sont en charge de nettoyer l'avion, faire tout ce qui est chargement repas, prestations hôtelières à bord. Notre service bagagiste, bien sûr. Le ramp, on appelle ça, c'est-à-dire la piste. C'est les bagagistes qui font le déchargement des soutes, chargement également des soutes. Et on a d'autres petits intervenants comme repousser les avions, les personnes qui guident l'avion pour qu'il se positionne bien au parking. L'enregistrement, on a un service passage aussi pour certaines compagnies. On s'occupe donc de ce service-là, ils font l'enregistrement des passagers, des bagages, l'embarquement et le débarquement des passagers. Il faut savoir que tout est chronométré sur un avion. On a tant de temps pour faire un traitement avion, par exemple ATR 40 minutes ou 55 minutes, parce que on essaye d'optimiser en fait les services avions, le traitement pour pouvoir le faire le plus efficacement possible et surtout en fait la sécurité avant tout. Franck, bonjour, là, ça va? Franck, j'appelle, c'est juste pour prévenir qu'il y a des poussettes à récupérer sur le Melbourne, voilà, à la rotonde. 2 poussettes. Ouais. C'est bon? Ok, merci Franck. Moi, quand j'ai fait ma formation dans l'aérien, il y a 3 grands principes de base, hein, qu'on nous a appris, enfin qu'on m'a appris moi en formation et que je pense qu'on a... Donc l'aérien, c'est la sécurité avant tout. Donc il y a des législations internationales et puis des règles qui établissent le transport aérien. Notre travail à tous ceux qui travaillent sur l'aéroport, c'est respecter les règles internationales. Faire partir un passager d'un point A à un point B, c'est le premier droit fondamental d'un passager, ça qui sont définis dans des conventions. Donc c'est ça notre travail d'abord. Ponctualité d'un vol, des points aussi de la coordination d'un agent de trafic. On essaye de veiller à ce que l'avion il soit à l'heure au départ. C'est pour ça qu'il y a aussi des temps de traitement sur un avion. Là par exemple sur un ATR 72, on doit le traiter en 40 minutes. Et si on ne traite pas l'avion en 40 minutes, à ce moment-là il y a des codes retard. Par exemple là on va voir sur le départ de Hervanuatu, là du ville de l'ATR 72, là, si cet avion est en retard, même d'une minute, on va devoir chercher par rapport au temps de transit qu'il devait faire normalement en 40 minutes après l'arrivée et départ. Si cet avion est en retard, on doit lui donner un code retard, qui sont dans une liste de 99 codes retard à peu près. Donc, et ce code retard-là, ce n'est pas pour après taper sur un service en particulier, si, mais c'est surtout pour améliorer le service toujours. Dans le but d'une qualité, améliorer le service, c'est-à-dire savoir où est-ce qu'on est en retard, ça permet de régler si on a plus souvent ce retard, pourquoi on est en retard et comment on peut faire pour régler le problème. La réglementation internationale exige que les usagers doivent se présenter 2 heures à l'avance pour les besoins de l'enregistrement. Il s'agit là d'une procédure très stricte où l'erreur n'est pas permise ou du moins n'a pas cours. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Sarah, son métier, agent de passage. Bonjour. Bonjour. Les billets d'avion, c'est également le frigo ? Non. Votre destination finale est bien Brisbane ? Donc là, je demande le passeport et l'itinéraire du passager. Donc là, je suis en train de vérifier le visa. Car monsieur reste plus de 8 heures. Enfin, il reste jusqu'au 29 janvier. C'est bien ça, monsieur hein ? C'est ça. Donc votre visa est parfait. Et monsieur a 2 bagages enregistrés ensuite. Hein. Donc votre premier bagage fait 19 kilos. Y a-t-il un nom, prénom sur le bagage, monsieur? Du tout? Je vous laisse un stylo à remplir, s'il vous plaît. Et mettez votre adresse permanente, hein, celle de Nouvelle-Calédonie, bien sûr. On souhaite un bon voyage et bon après-midi. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Donc pour un embarquement, en fait, il y a 3 parties. C'est le pré-embarquement, donc les familles voyageant avec des bébés, des personnes ayant besoin d'assistance, donc sur chaise roulante bien sûr. Donc on les pré-embarque en priorité. Ensuite, nous embarquons par zone. Donc quand c'est un A320, l'appareil A320, c'est des rangées 15 à 28. Et quand c'est des A330, des gros avions, c'est de la rangée 28 à 42. Et ensuite, après, la troisième étape, c'est tout passager. Et après, pour finir, s'il nous reste maximum 10, minimum 10 personnes, nous ferons un dernier appel, qui est la 4e étape. Après avoir enregistré les passagers, maintenant je vais me diriger en porte, donc 30 minutes avant l'embarquement, pour pouvoir voir s'il y a des changements de siège de dernière minute, rendre des itinéraires si toutefois le passager a oublié au comptoir. On appelle ça des inéligibles to board. Donc là, je me connecte. Donc ceci est une checklist que nous remplissons à chaque fois pour les personnes qui sont dédiées en porte d'embarquement. Donc actuellement, il y a 157 passagers sur le vol Brisbane de cet après-midi. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Les familles avec bébés et toute personne ayant besoin d'assistance voyageant sur le vol Air 152 à destination de Brisbane sont invités à embarquer en priorité porte A1. Merci. Oui, Laurent, il est actuellement 40 et nous embarquons pour 17h45. Donc, si possible, de me mettre au courant, s'il te plaît, dès qu'ils sont prêts à bord. Allez, on souhaite un bon voyage. Au revoir. Merci, au revoir. Donc là, après avoir fini l'embarquement, j'annonce au trafic, au superviseur, que l'embarquement est terminé avec le nombre de passagers. Embarquement terminé avec 157 packs passés en porte, 157. Merci à tous. Donc là, j'ai terminé l'embarquement, je ferme les portes. Étant donné que je suis responsable de porte, je dois rester jusqu'à que l'avion parte et que la passerelle se détache de l'avion. J'attends juste le feu vert et la confirmation du trafic au superviseur pour me dire « Ok, la porte, c'est bon ». Il ne s'agit pas seulement de s'envoler à l'heure. Il faut aussi pouvoir voyager en toute sécurité et donc gérer au mieux le trafic aérien. Pour en savoir un peu plus, nous allons prendre la direction de la tour de contrôle. La tour de contrôle, c'est un peu le cerveau d'un aéroport, ou si vous voulez, c'est un agent de la circulation aérienne. Vous allez voir que c'est à partir de là-haut que les aiguilleurs du ciel gèrent le plan de vol d'un appareil du décollage jusqu'à l'atterrissage. Explication avec Gilles Dobos. Alors nous nous trouvons dans la tour de contrôle de Tontouta. Tour de contrôle est un terme générique qui regroupe en fait les services de contrôle d'aérodrome, d'approche et également de centre de contrôle régional pour l'espace aérien supérieur, ou tout au moins une partie de l'espace supérieur qui se trouve au-dessus de toute la Calédonie, de toutes les îles Loyauté ainsi qu'une partie qui va très loin, à plusieurs centaines de kilomètres au nord, une partie océanique, allons-nous dire. Alors on est positionné en hauteur pour en particulier la fonction d'aérodrome qui permet de voir sur la piste, d'avoir la visibilité sur tous les avions qui roulent sur les taxiways, c'est-à-dire avant de pénétrer sur la piste ou après avoir dégagé la piste, et ceux qui vont atterrir et décoller évidemment, ainsi que l'environnement proche. Donc les missions des contrôleurs sont très réglementairement organisées selon trois grands services de la circulation aérienne, qui sont le contrôle proprement dit, l'information, qui comprend tout un tas de fonctions liées à la transmission d'informations, non seulement sur le trafic, mais également sur la météorologie, sur l'environnement, sur les situations diverses qui peuvent se présenter dans le secteur aéronautique, et l'alerte, qui est le service qu'on aime le moins utiliser, mais qui est quand même tout à fait nécessaire, donc c'est-à-dire la recherche et le sauvetage d'un aéronef qui serait éventuellement en difficulté. Arcalin 600 Papa, autorisé au décollage piste 11, le vent 200 degrés 5 nœuds, rappelé 4000 pieds montés. Yankee Sierra, maintenez 2000 pieds, le QNH 1008, rappelé passant Sierra. Donc on doit appliquer et faire respecter les règles de l'air. Donc il faut savoir qu'il existe deux types de règles. Il y a les règles de vol à vue et les règles de vol aux instruments. Les avions qui utilisent les règles de vol à vue vont suivre un circuit à vue de la piste autour de l'aérodrome pour se poser et s'aligner en finale pour se poser sur la piste à Tontuta. Et les aéronefs qui volent selon les règles aux instruments vont suivre des procédures d'approche et de descente sans visibilité en utilisant uniquement les instruments embarqués et des antennes radio au sol. Je vais vous montrer une carte d'approche aux instruments que suit un pilote avant de venir se poser à Tontuta. Voici la carte d'approche qui s'appelle la Pépite VOR DME piste 11. Donc nous pouvons voir sur la carte la trajectoire publiée en noir avec les différentes altitudes que devra suivre le pilote jusqu'à l'atterrissage à Tontuta qui est ici. Donc cet écran-là, c'est un écran de surveillance du trafic aérien. C'est un appareil qui est actuellement en phase de test. Il permet uniquement de surveiller et pas de contrôler les avions, car on ne voit que 10% du trafic réellement en contact radio. Les 90% du reste du trafic n'est pas équipé des appareils embarqués qui nous permettraient de les voir sur l'écran. Ici, nous avons un autre écran qui nous donne la liste des plans de vol prévus que l'on aura en contact. Nous contrôlons tout le trafic qui est équipé de radio, petits comme gros, les ULM, les avions, les hélicoptères également. Nous avons également des avions commerciaux qui vont de l'ATR 72 jusqu'aux A330 d'Air Calédonie International. Et la seule condition, en fait, c'est que ces avions ou ces aéronefs, pour parler de façon générale, doivent être en mesure de nous contacter par radio et de respecter les règles de l'air. Et dans ces conditions-là, nous pouvons les accepter dans notre espace aérien et les prendre en charge au niveau du contrôle. Là, actuellement, Marc il a 5 avions en fréquence, donc 2 ULM qui sont ici, 2 avions commerciaux domestiques et un avion international. Arcalin 600 Papa, Tontuta, pouvez contacter Nandi maintenant. Bon vol, à bientôt. Donc voilà, le vol là vient de quitter la fréquence et Marc donc ne l'a plus en contact et il l'a archivé ici et on retrouve sur ce strip, cette bande de papier, tous les éléments du vol depuis son décollage jusqu'à sa sortie de la zone contrôlée par Tontuta. Contrôleur de Tontuta, où on charge une zone de responsabilité qui s'appelle le secteur Nouvelle-Calédonie, qui s'étend depuis Norfolk environ jusqu'au nord du Vanuatu. Nous pouvons voir sur l'écran ici les îles, l'archipel du Vanuatu et plus bas la Nouvelle-Calédonie avec les îles Loyauté, Uvea, Lifou et Maré. Donc toute cette zone qui est délimitée par le trait blanc est la zone de responsabilité des contrôleurs aériens de Tontuta. Yes, Nandi, this is Tontuta. Request clearance for Arcalin 140 Sierra to Sydney via Poksack. takeoff time 2116. Yes, so Herculean 140 Sierra is cleared to Sydney, Flapan route via Poksack, level 380, HF frequency 8867 and 13261. Thank you, bye bye. On utilise une phraséologie en français et en anglais très spécifique car elle permet aux pilotes du monde entier de se comprendre. Et évidemment, on utilise un code aéronautique qui nous est propre, qui utilise des acronymes, des noms de trajectoires, des routes de départ, d'arrivée qui sont propres et qui doivent être respectées par les pilotes, et également des informations météorologiques qui sont codifiées. Donc tout ça fait que le langage peut paraître incompréhensible souvent par les gens qui ne sont pas du milieu. On monte 7000 pieds initial QNH 1008 en départ CEP unité alpha. Tu me rappelles 7 nautiques en éloignement de Mike Golf Alpha. En 7000 pieds 1008 en CEP unité alpha, on te rappelle 7 nautiques éloignement Mike Golf Alpha 205. C'est correct 205. Donc ici on peut constater sur cet écran de surveillance qu'il y a un avion à l'arrivée sur Magenta en provenance de Lifou et un autre appareil, un ATR, qui part de Magenta vers Lifou. Donc ces avions, suivant des routes conflictuelles, Marc doit assurer la séparation entre ces deux appareils. Et donc il applique des procédures de départ et d'arrivée qui permettent de les écarter, de les faire se croiser sans danger et en toute sécurité. Je vais vous montrer les deux avions qui sont en train de se croiser à Magenta, l'Air Calédonie 205 et l'Air Calédonie 204 qui sont ici. Le premier est en montée, cap à l'est pour ensuite partir vers Lifou, et le deuxième est en descente vers Magenta. On peut voir leur indicatif d'appel et également l'altitude qu'ils ont. Alors, à Tontouta, nous avons sur tout le centre de contrôle, incluant le CCR, environ 20 000 mouvements par an. Exactement 19 500 ou quelque chose comme ça. Dans ce chiffre-là de trafic sont inclus les avions en transit, donc qui sont un espace soit supérieur, ou on va dire les approches que nous faisons, la partie supérieure de l'approche que nous réalisons pour Magenta ainsi que les îles Loyauté et l'île des Pins, et le trafic qui atterrit et décolle de Tontouta. À la journée, en nombre de mouvements purs sur Tontouta, c'est évidemment beaucoup plus réduit puisque tous les avions dont je viens de vous parler ne se posent pas ici mais ne font que transiter. Donc il y a entre 30 et 50 mouvements commerciaux, parfois 70 en incluant les mouvements militaires qui sont quand même un deuxième affectataire principal de l'aérodrome. Donc voilà, ça reste dans ces proportions-là. Le trafic aérien a augmenté et la réglementation internationale a introduit des normes de sécurité draconiennes que le personnel navigant doit respecter. Que font ces professionnels de cabine avant le décollage d'un avion? Les réponses en images. Voilà, nous avons une fiche que le sol nous a préparée, l'équipage au sol. Et donc nous collectons toutes les informations et nous les reportons sur notre fiche de briefing. Et ensuite nous donnons toutes les informations à l'équipe. On a terminé la préparation du vol, d'accord. Donc il s'agit d'avant tout, en raison des conditions météorologiques du jour, de la charge, de déterminer la quantité de carburant, d'accord. Donc on a fait ce travail conjointement avec le copilote, d'accord. Ensuite, on va partir à la salle de briefing avec les collègues commerciaux pour voir un petit peu les objectifs du vol sur le plan commercial, sur le plan opérationnel, etc. Pour la sûreté, on fera bien attention à la vérification des badges à l'escale. Hein. C'est important avec tout ce qui se passe en ce moment. C'était déjà important, mais là, ça l'est encore plus. Et pour ceux qui resteront à bord, une garde active. Garde active, ça veut dire qu'on fait attention à ce qui rentre et ce qui sort. Et les personnes qui rentrent et qui sortent, qu'ils aient bien un badge et un badge valide surtout. Hein. C'est parti, on va à l'avion. On commençait les essais individuels enfin, collectif et individuel dans cet ordre. Et donc on va faire une visite de sécurité, ensuite une visite de sûreté et ensuite on fait des préparations commerciales. Pour commencer les essais collectifs et individuels, nous avons cette petite fiche pour nous aider à préparer notre vol. Donc à chaque fois qu'on vérifie une zone, on coche, qu'on vérifie le matériel, on coche. Ensuite, cette fiche sera signée et remise au copilote, qui est responsable de la sécurité. Donc là, j'ai vérifié les bouteilles à oxygène, qu'elles soient bien en place et qu'elles soient bien arrimées. Et ensuite, après, je vérifie qu'il n'y a rien de caché dans les logements. Alors là, je commence ma visite sûreté, c'est-à-dire que je vérifie dans les pochettes qu'il n'y a rien de caché, sous les sièges, entre la cloison et le premier siège, dans les coffres à bagages, sous les sièges, dans toute la cabine. On va lancer l'embarquement. Est-ce que vous êtes prêts pour l'embarquement? Ah oui, nous sommes prêts. D'accord, on va lancer l'embarquement. D'accord. Passeport et carte d'embarquement. On s'étend un bon voyage. Au revoir. Ça y est, nous sommes prêts, nous allons embarquer les passagers. Bonjour. Bonjour et bienvenue à bord. Merci. Merci par ici, si vous faites dans la deuxième cabine. Bonjour monsieur. Merci, bonne journée. Voilà, c'est la fin de cette émission consacrée à l'aéroport de Tontouta. Nous espérons que vous avez passé un agréable vol en notre compagnie. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro. Merci de votre fidélité et bon vol.